Allez les enfants, venez. Nous allons entrer en classe, notre toute nouvelle classe. Ah ouais, oui, ouais, oui, la classe, ouais. Allez, allez les enfants, en place. Et n'oubliez pas les enfants, les plus petits devant et les plus grands derrière. Bien sûr, on ne se place pas à côté de ses copains pour bavarder, hein. Je ne vais pas tolérer ça. Madame, je peux me mettre avec eux? Oui, bien sûr, vas-y. N'hésite pas à te mettre. Voilà. C'est bon, tout le monde est en place? Bien, nous allons pouvoir commencer le cours. Maintenant, je vais faire l'appel. Vous répondez par présent ou présente? Un cœur. Présent. Caramel. Présente. Dance. Présent. Kiwi. Présent. Rose. Présente. Luna. Présente. Wonderful. Présente. Chibi. Présente. Star. Présente. Candy. Présente. Nougat. Présent. Et enfin, Crush. Présente. Bien, on va commencer le cours. Vous avez sûrement déjà vu les couleurs en maternelle, mais nous allons réétudier les couleurs. Parce que les grandes vacances, très souvent, on pense qu'à jouer, à faire la fête, à se promener. Bref, alors, je vais vous appeler un par un. Enfin, pas tous, parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Et vous allez chacun me dire quelle couleur c'est, d'accord? Bien. Vanille. Non, pardon, je me suis trompée. Caramel. Oui, madame. Alors, est-ce que tu vois le gros cube? Oui, madame. Et bien, grâce à ce cube, tu vas nous dire quelle couleur c'est, d'accord? D'accord, madame. Bien. Voici le cube. Sur quelle couleur est-il tombé? Sur du vert. Non, réfléchis. Du noir? Oui, très bien. Allez, attends. Bien. Crush? Oui. C'est à toi. Alors, je vais faire tourner le dé et tu vas me dire. Quelle couleur c'est? Allez, Crush, dis ma couleur. Du rouge? Oui, Crush, très bien. À ta place. Allez, nous allons passer à autre chose. Mais Crush, comment t'as fait pour tout retenir? Ma mère m'avait fait faire un stupide cahier de vacances. Et du coup, il y avait les couleurs dedans, alors j'ai tout retenu. Oh, c'est dingue, j'en ai retenu que deux, le noir et le blanc. Normal, tu regardes tout le temps des vieux films, toi. Oh, oui, mais c'est mon père, il adore ça. J'ai la bouffine. Les enfants, c'est l'heure de la récréation, alors je vous prie de sortir dans le calme. Ouais, là... Je suis perché. Oui, ouais. Les enfants, il est temps de rentrer. Et pendant que les élèves, eux, sont en cours, je nettoie. C'est pas vraiment le meilleur boulot, mais bon. Ça va être propre quand ils vont venir à la cantine. Ils vont tout ressaler avec leurs chaussures pleines de boue de terre et de cailloux. Mais bon. C'est l'heure de la cantine. Oui. Ouais. C'est trop bon. Ouais. Des pommes, des carottes, du hachis de carottes. Miam. C'est délicieux. Les enfants, vous pouvez rentrer chez vous. Sauf toi, Kiwi. Ta mère est chez le directeur. Tu vas les rejoindre, d'accord? C'est à l'étage. D'accord, madame. Monsieur le directeur, vous voulez me voir? Oui, c'est à propos de votre fille. Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Ben, ce n'est pas que c'est une mauvaise élève, mais c'est que très souvent, nous la retrouvons seule à la récré. Elle ne joue avec personne et en classe, elle est vraiment
timide. Ah bon? Oui, elle ne lève pas beaucoup le sabot. Elle ne veut pas vraiment participer au cours. Mais Kiwi, pourtant, je t'avais dit de participer. Oui, mais maman, mais dès que je parle, tout le monde me regarde. Et puis à la récré, je suis tout le temps nulle aux jeux qu'ils font. Ils font un cheval qui galope ou un saut de cheval. Et je sais ni sauter, ni galoper correctement. Eh bien, ce n'est pas grave. En sport, on va très bien vous apprendre le saut. Les autres, ça fait sauter parce qu'ils ont du sang de sauteur. Tu es un andalou, si j'ai bien compris. Oui. Eh bien, les andalous sont très forts en dressage. Je pourrais très bien leur montrer, genre, le pas espagnol, la levade. Ah, c'était pour ça. Bon, ça me rassure. Je me croyais qu'elle avait des mauvaises notes. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, Kiwi. Au revoir, madame.